40 ans de chansons françaises, des refrains inoubliables, on les doit à un homme à une plume, Pierre Delanoë est notre invité parmi ses chansons immortelles, celle-ci. Que la vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Quand on voit ça, Pierre Delanoë, je vous vois heureux de revoir ces images. Ah oui, c'est... J'ai du mal à me passer de Beko. Ouais. C'était un type fabuleux. Parce que votre vie, on va en parler bien sûr, Pierre Delanoë, c'est des chansons. C'est extraordinaire, cette vie de 40 années de chansons. 50. Ah, carrément. Oui, non. On n'arrête pas, faut alors. Faut pas les idées. Non, j'ai fait 5000 chansons en 50 ans. Ouais. Ce qui est normal, ça fait 100 chansons par an, c'est pas grand-chose. Ouais, une tous les 3 jours. On va bien sûr parler de Gilbert Beko dans quelques secondes, mais Nathalie, il y a aussi Et maintenant, Je t'appartiens, Le jour où la pluie viendra, L'amour en héritage, Et le lac du Connemara en chantant, Une belle histoire, La balade des gens heureux, À toi, Les Champs-Élysées, L'Amérique, toutes ces chansons, c'est vous. Oui, oui. Des succès, que des succès, ou presque. Oh, bah oui, pas toujours. Non, celle-là, oui, vous êtes cité de succès, mais je vous dis, j'en ai fait 5000. C'est incroyable. Alors, vous voyez, hein, le nombre de beats que je peux avoir, qu'il peut y avoir. Mais alors, on va entendre comme ça, en fond sonore, un moment, je pense qu'on va bien en reparler de votre vie, mais quand vous entendez cette voix-là, écoutez bien, Pierre Delanoë. Nous, les grenières, les grenadiers, sans grenades, sans fusils, ni souliers, sans ennemis et sans armée, on s'ennuie dans la nuit du passé. C'est Edith Piaf, hein. Ça c'était en public au Carnegie Hall. Ça a été, vous le dites, dans un livre de souvenirs dont on va parler, un des moments des plus forts de votre vie. Après, oui, j'étais à ce moment-là directeur des programmes d'Europe et j'avais demandé à notre représentant à New York d'enregistrer Edith Piaf qui passait au Carnegie Hall. Et pour la première fois, elle me chantait les grognards. Qui est une chanson que vous lui avez écrite. Que j'ai eu écrite, oui. Et quand j'ai entendu ça, j'en ai bavé parce que j'avais pour Piaf une admiration comme tout le monde. Mais en plus, moi, je la connaissais. Ouais. Elle était, comme on dit, c'est-à-dire un peu comme ça, extraordinaire. Elle était totalement extraordinaire dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'elle n'avait rien d'ordinaire. Pas toujours bien, parce qu'on peut être extraordinaire et pas toujours parfait. C'était une créature à part. Ouais. Elle avait des qualités extraordinaires, des défauts extraordinaires. Elle était emmerdante aussi. C'était une fille fantastique. Mais vous, hein, Pierre Delanoë, on peut dire que vous êtes aussi pas un mec tout à fait comme les autres. Hein. Ouais. Vous auriez dû être aux impôts, travailler aux impôts. Oui, monsieur, oui, j'étais inspecteur polyvalent. C'est ça, et vous écriviez des chansons en même temps. Quand j'ai fait ma carrière dans les finances, je n'écrivais pas de chansons. C'est à l'occasion de mon passage à Paris après la guerre, parce que j'avais été nommé inspecteur polyvalent rue des Pyramides, à la direction des sociétés, que cherchant un appartement et n'en trouvant pas, je me suis réfugié chez mes beaux-parents, où se trouvait mon beau-frère, Franck Gérald, qui pianotait, puis moi j'écribouillais. C'était pas encore au point complètement. Oh non, c'était pas au point. Et finalement, l'un dans l'autre, on a réussi à se débrouiller, quoi. Ouais. Alors on entendait à l'instant Edith Piaf, mais il va y avoir aussi Maurice Chevalier. Ah oui. Il va reprendre la dernière chanson chantée. C'est ma grande fierté, ça. La dernière chanson que Maurice Chevalier a chantée dans son dernier spectacle, c'est de moi, quand j'aurai 100 ans. Ouais. Et il les avait presque, hein. C'était pas loin, hein, mais... C'est-à-dire que je venais de le rencontrer, alors que j'avais une admiration fantastique pour ce type qui était
une pure merveille. C'est une merveille, Chevalier. Ouais. Quand il arrivait sur scène, c'était le soleil. Et donc, j'avais une admiration. J'étais qu'un pauvre petit malheureux dans mon coin. Et puis, un jour, j'ai une chanson de Chevalier, vous vous rendez compte? Et c'était merveilleux. Ouais, je voudrais qu'on entende justement une autre des chansons que vous avez eues dans les classements. Écoutez, c'est toute une époque comme ça. Tout était possible, hein. Vous pouvez rêver, regardez ces images. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. 1, 2, 3, attention. Alors ça, c'est évidemment Michel Fugain, le Big Bazar. C'est une aventure que vous allez mener avec lui. Oui, bien sûr. Venir écrire des chansons parce que c'était Peace and Love. J'étais désolé que cette aventure s'arrête, mais il faut croire que ça ne devait pas être possible. Enfin, c'était lui qui l'amenait, donc. Et je viens de le revoir à la télé il y a quelques jours. Et c'est un type merveilleux, Michel. Je lui ai dit en direct, à l'antenne, qu'il était avec Bécaud et Revault un des trois meilleurs compositeurs de chansons françaises. Il y en a quelques autres. Il y a Bernheim, il y a Morgan, il y a Giraud, Hubert Giraud, qui est un type formidable. Mais ces trois-là, c'est à mon avis les meilleurs. Ouais, alors vous allez écrire avec lui une belle histoire. Ah ouais. Je n'aurai pas le temps. Ouais. Fais comme l'oiseau. Ouais. Ça. Ouais. Qu'est-ce qui est le secret d'une chanson réussie, Pierre Delanoë? Quel est le secret? Il n'y a pas de secret. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de secret. On écrit ce qu'on pense, ce qu'on sent. Et puis, alors, Fais comme l'oiseau, il y a une histoire quand même. C'est une adaptation d'une chanson brésilienne qui dit Voce a buzo. Mm. Et moi, j'ai toujours essayé de garder, quand j'ai fait des adaptations, non pas l'idée, l'histoire, je m'en fous, mais la consonance. Et comme ça terminait par buzo, j'ai fait l'oiseau. Mm. Ben oui, ça n'a rien à voir, mais ça m'a plu, j'ai trouvé que ça sonnait bien, et puis voilà. Ouais. Alors évidemment, il y a aussi beaucoup d'adaptations pour Hugo Frey, Stubo, ouais. Et des chansons de Dylan adaptées en français, bah ouais, Angelina. Ma grande fierté, hein, c'est que Bob Dylan a dit un jour que certaines de mes adaptations étaient meilleures que ses originales. Ça fait plaisir. Hein. Et il m'en a chanté une, L'été de Bémé, dont vous parliez tout à l'heure, ouais. Je t'appartiens. Ouais. Et bien, il l'a enregistrée. Ça, c'est une chanson, L'été de Bémé. Combien de versions à travers le monde? 300 en Amérique. Il y a tout le monde. Il y a Bob Dylan, il y a Frank Sinatra, il y a Ella Fitzgerald, pas Ella Fitzgerald, non. Je ne sais plus comment elle s'appelle, cette chanteuse merveilleuse. Je ne sais plus comment. Bon, Sammy Davis Jr., Sonny and Cher. Quand vous arrivez, vous, Pierre Delanoë, aux États-Unis, vous dites qui êtes-vous? Je dis, moi, je suis le compositeur de. Non, je dis rien du tout. Je peux vous donner un exemple. J'arrive un jour, j'étais à Broadway et j'entends. Comment il s'appelait celui-là? C'était un orchestre qui jouait What Now My Love. Et maintenant. Et je ne l'avais jamais entendu par cet orchestre, Herb Alpert. Et je rentre dans la boutique et je dis, voilà, j'aimerais bien avoir le disque de machin. Et il me dit, vous avez un drôle d'accent. Je lui dis, ouais, excusez-moi, je suis français. Je suis même l'auteur de cette chanson-là. Le type, il a failli s'évanouir. Il n'avait jamais vu un auteur de chansons. Écoutez, enfant comme ça, c'est une histoire d'amitié aussi, les chansons. Écoutez cette voix qui nous revient comme ça. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées. Ça, c'est de vous, hein. Et c'est une rencontre, Joe Dassin, d'amitié. Ah bah, un petit pain au chocolat, une tellement de chansons. C'est une merveille. Joe Dassin, c'est encore un que je regrette. Il est mort à 40 ans, cet imbécile.
Il aurait pu vivre un peu plus, non? Bon, c'est un souvenir formidable d'Assin. D'Assin était un type à la fois beau, intelligent, gentil et qui avait du talent. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Ouais. C'était dès ses débuts, hein, vous avez formé la bande à Jojo, quoi, dès le départ avec lui. Ah non, lui, la bande, hein, à Jojo, c'est pas moi. Ah oui. J'étais pas dans le coup, moi. Moi, je suis arrivé un petit peu après, ou pas longtemps, mais moi, je suis arrivé en 70, quelque chose comme ça. Alors que lui, non, 68 ou 9, et lui, il avait commencé en 65. Ouais, et l'Amérique? Hein, c'est un gros succès. L'Amérique, ouais, c'est un des bons succès, oui. C'est un des débuts aussi, oui. On a commencé par là. Puis on a fait l'été indien, on a fait Si tu t'appelles Mélancolie. Ouais. Les chansons, Joe nous a quittés, mais les chansons restent, ça c'est impressionnant. Ah oui, ah mais non, mais lui, il est increvable. Hein. Ouais. On peut faire ce qu'on veut, Dassin, c'est comme Claude François. Tous ces gens-là sont surtout dans, à notre époque de médiocrité, car on est dans une époque de médiocrité. Ouais. J'ai pas dit mauvaise, j'ai dit médiocre. Hein, bon, je suis indulgent, ouais, non, vous trouvez pas? Ouais. Bah, vous voyez la Star Academy pourtant, toutes vos chansons sont prises à la Star, oui, Academy, mais, en mais, chantant mais, l'Orange, mais, c'est les chansons de Pierre Delanoë, non, mais, tout ça. Oui, mais ils chantent bien. La musique. Ils sont beaux, ils chantent bien, ils sont jeunes. Mais ils n'ont pas de chanson. Ben, heureusement que vous êtes là. Hein. Non, mais moi, je ne demande pas mieux que d'en faire, d'ailleurs. mais on ne me le demande pas. Écoutez celle-là, par exemple. Ça veut nous rappeler quelqu'un qui est disparu, on le voit moins. Hein. Et pourtant, que de chansons, que de succès avec vous. Regardez-le. Te baigner dans la mer à cause de ce requin que les Américains ont inventé pour faire peur à ton père. Moi, le gentil dauphin, je n'y suis pour rien, je ne suis pas méchant, et tu le sais bien. Si tu me fais la gueule, je vais rester tout seul. On va rater nos vacances. Alors, des chansons avec évidemment Gérard Lenormand. Ah oui, je l'aime bien, celui-là. Ouais. Si tu ne me laisses pas tomber, et puis la balade des gens heureux. Oui, on va dire, c'est une des chansons les préférées des Français. Et ça, je la dois à Gérard. Puisque les chanteurs et les compositeurs ne citent pas souvent les auteurs, moi, en tant qu'auteur, je reconnais que c'est Gérard qui m'a donné le départ. C'est lui qui m'a dit un jour, j'ai trouvé un truc qui s'appelle la balade des gens heureux et qui me chante. Oui. Très joli. Et j'ai fini la chanson. Enfin, j'ai fait la chanson, mais c'est lui qui avait trouvé le départ. Ouais. Et alors après, la chanson vous appartient plus, parce que oui, tout le monde la fredonne. Gros elle n'est plus à vous. On ne sait même pas que c'est vous qui l'avez écrite. Tant mieux. De temps en temps, ça vous rend pas un peu jaloux? Ça rentre dans le patrimoine, ouais, national. Et puis peut-être que ça restera dans le folklore. Ouais. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes pour Sylvie Vartan? Paul Nareff. Je ne sais pas, hein, ce qui fait pleurer les blondes. Vous allez lui écrire « Je suis un homme, le bal des Laz ». Ne me posez pas ce genre de questions, je n'en sais rien. Par exemple, quand vous écrivez « Je suis un homme » pour Paul Nareff. Oui. Hein, eh ben, quoi, oui, de plus naturel, en somme? Mais non, mais attendez, parce que Paul Nareff, il s'était fait prendre à partie dans je ne sais quelle manifestation où le type l'avait attrapé par en disant « Il n'en a pas, hein ». Ouais. Et donc, il voulait se venger de cette affirmation gratuite. Et c'est pour ça que je lui ai fait « Je suis un homme ». Regardez ces images, vous vous rappelez un chanteur. Bah, vous ne travaillez plus avec lui maintenant, mais regardez quand même. Mais sans un jour pour vraiment s'occuper de nous, alors il me vient. Vieux fou, on habiterait un hôtel, on prendrait le café au. Alors là, on peut dire qu'avec Michel Sardou, ah oui, c'est Sardou, ça. En chantant, on l'a dit, les vieux mariés qu'on entendait, ouais. Les lacs du Connemara, la Java de Broadway, femme des années 80, J'accuse, Le France. Ah oui.
Il vous doit une chanson que j'adore. Énorme, enfin des succès. Ah oui, oui. C'est incroyable. Oui, mais il a un caractère de cochon, alors oui. on est fâché. Oui, mais bon, ça n'empêche pas quand même tout ce que vous avez fait ensemble. Oui, ça n'empêche pas ce que j'ai fait, ce qu'on a fait, mais ça empêche ce que l'on fera. Ouais. Ou que l'on ferait. Oui, oui, mais quand même, quand vous faisiez composé avec Michel Sardou, il y avait une harmonie même dans les coups durs, parce que quand vous lui faites chanter le bon temps des colonies ou des choses comme ça, ça s'est pas très bien passé. Non, ça s'est même très mal passé. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, parce que là, il y a eu une histoire de médias ridicules. C'était gentil, le temps des colonies. On pense encore à toi, au Buena. Dis-nous ce que t'as pas, on en a. Oh. Et il la chante encore d'ailleurs à l'Olympia, hein, cette chanson-là. Et d'ailleurs beaucoup d'autres de vos chansons, Michel je sais pas Sardou. S'il l'a chanté, oui. Absolument, il la chante. Je ne suis pas allé le voir, parce que comme on est fâché. Pourquoi ? Parce qu'il doit y avoir comme ça, avec l'interprète et le compositeur, forcément une amitié. Il chante ce que vous lui dites ou vous l'adaptez à ce qu'est sa personnalité. Il n'y a aucune règle, absolument aucune règle. Les chansons se font n'importe comment, soit que. On donne un texte qu'on a écrit comme ça, soit que le compositeur donne une musique en disant voilà, soit que on est ensemble et puis on dit tiens, j'ai une idée moi, tiens ça serait ça, et puis l'autre dit oui, et puis on écrit trois mots, et puis lui il fait trois notes, c'est ce qui se passait avec Becco d'ailleurs, parce que lui c'était un génie fabuleux. Quand on lui disait le jour où la pluie viendra, il faisait le jour où la pluie viendra automatiquement. Hmm. Mais comme ça. Il faut être musicien pour être interprète quand même. Non, pas forcément. Non, Maurice Chevalier n'était pas musicien, Montand n'était pas musicien. Piaf un petit peu plus, mais elle n'était quand même pas vraiment musicienne. Non, c'est pas vrai. Ouais. Non, il faut surtout avoir des bonnes chansons. Ouais. Et alors un bon interprète. Vous les avez vus débuter. Vous disiez vous avez été à Europe 1, vous étiez patron d'Europe 1 avec Lucien Maurice. Oui. Johnny Hallyday, vous l'avez vu arriver tout gamin. Je l'ai vu arriver à 18 ans. Oui. Ouais. Vous avez vu tout de suite. Vous avez dit ce type-là, il a quelque chose. Ah oui, tout de suite. Je lui ai dit reviens la semaine prochaine en me chantant en français parce qu'il me chantait en anglais les chansons d'Elvis Presley. Et puis la semaine suivante, il est parvenu parce qu'il avait été cueilli au passage par un directeur de maison de disques. Mais je l'ai revu après, il m'a fait des chansons, etc. Mais à l'idée, bah, évidemment, ça crevait l'écran. Ouais. Vous avez eu des chocs comme ça parfois, plusieurs fois, vous êtes dit d'aller jeunes... Dalida, par exemple. Alors vous aviez écrit aussi des belles chansons pour Dalida. Dalida, on était à l'Olympia, il y avait Cocatrice qui était le patron. Il y avait le patron Barclay, Didi Barclay, Lucien et moi, Lucien Maurice et moi, qui étions à Europe 1. Et Dalida a chanté ce soir-là. Elle faisait une audition. Elle a chanté faux. Ah là là, car je suis étrangère ici. C'était vraiment faux, en effet. Ouais, ouais. Étrangère au paradis, mais avec une telle voix. Une telle qualité de voix grave, sympathique, que tout le monde l'a engagé. Mmh. Il y en a même un qui l'a engagé à venir dans son lit, qui est Lucien Maurice, puisqu'il l'a épousé. Ouais. Et puis, bon, il va se suicider. Il y a toute une histoire. C'est dans un livre. Hein, voilà, oui. Pierre Delanoë. Et maintenant, évidemment, j'allais dire en chantant, mais et maintenant, ça aurait pu être aussi d'autres titres de chansons. Il y a tellement. Parolier de Becco, Piaf, Sardou, Hallyday, Aznavour, Dassin, Dalida, Mouskouri, Polnareff, Lenormand, Casse, Moustaki, Fugain, Dutheil, vous les avez tous eus. Oui. Est-ce qu'il y a des moments où vous dites, on cherche toujours la chanson qui va rester définitivement. On dit, bon, bien sûr, à Et maintenant, mais est-ce qu'on cherche toujours la chanson qui va, dans 100 ans, on la chantera encore? Franchement, je m'en fous éperdument. Je ne me suis jamais préoccupé de ça. Et les choses se passeront comme elles voudront. Je suis un amoureux du folklore. Je connais toutes les chansons françaises depuis la fin de la monarchie de droit divin. Ce qui quand même nous ramène... C'est pas mal, ouais. mais je ne sais pas du tout ce qui restera ou ce qui restera pas, ou si rien ne restera, j'en sais rien. Ouais. Je voudrais, avant que cette émission se termine, qu'on parle quand même de Gilbert Becco, parce qu'on va se quitter dans quelques secondes en le revoyant, mais cette rencontre, qui s'appelait Silly, et c'est une amitié, c'était comme un frère, quoi. Ah oui, tout est parti de là. 50 ans de vie commune.
on ne s'est pas quitté pendant 50 ans. On a célébré nos 50 ans de mariage, un jour à la SACEM, on s'est dit, ça fait 50 ans qu'on se connaît. Ouais. Et on était heureux. Vous vous souvenez la première fois où vous l'avez vu? Oui, bien sûr, je m'en souviens. C'était chez Marie Bizet, une chanteuse fantaisiste des années 50, oui, 40 même, et qui m'avait dit, je vais te présenter un pianiste qui a l'air d'avoir beaucoup de talent, mais qui chantait pas, il ne chantait pas, il composait pas, c'était rien du tout. Et derrière le piano, quand j'arrive, je le vois derrière le piano, il me dit pas bonjour, il me dit simplement, tiens, j'ai un boogie-woogie, là, si ça t'amuse, tu peux m'écrire les paroles. Et il me joue padam padam dam padim padam dam padim boudoum boudoum bidim 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 boudoum boudoum. Et là-dessus, je lui ai dit, bon, bah, écoute, je vais te faire les paroles. On est partis ensemble de chez Marie Bizet. On s'est retrouvés dans le métro, parce qu'on n'avait pas de voiture à cette époque-là. Il m'a emmené chez lui, et on est devenus copains pour 50 ans. Ouais, ouais. Et maintenant, c'est une histoire d'amour déçu. Que vais-je faire? Ah oui. Il y a une histoire, en deux mots. Il y a une vraie histoire. C'est une fille, une Helga Andersen, qui était une actrice de cinéma, qui rencontre Gilbert dans l'avion, et qui lui dit, je vais à Nice, je vais retrouver mon copain. Et puis le lendemain, il la retrouve dans l'autre sens, elle rentrait à Paris, elle était en pleurs, elle était dans un état épouvantable. Et Gilbert lui, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? J'ai perdu mon copain, mon amour. Alors il l'emmène chez lui déjeuner, enfin prendre le petit déjeuner. Il se met au piano, elle s'accoude au piano et lui dit, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et Beko, qui a un sens prodigieux de la chanson, me téléphone, j'habitais à Courbevoie, et me dit, rapplique vite, j'ai un départ fabuleux. C'est tout ce que ça lui a inspiré. Et j'arrive et il me joue la musique, ouais. Parce qu'il avait déjà trouvé la musique. Alors j'ai modifié ça, j'avais dit, au lieu de qu'est-ce que je vais faire, j'ai mis que vais-je faire, parce que c'est quand même plus correct. Ouais. Et puis j'ai écrit la chanson après. Dites-moi, c'est quand même pas elle qui devrait être l'auteur de la chanson, quand même. C'est toujours du vécu, quand même. Mais... non, c'est moi qui l'ai déposé. Et votre chanson préférée, Pierre Delanoë, dans tout ça? Dans tout ça. Si on partait sur une île déserte, vous n'apportez qu'une partition, c'est laquelle? Moi, c'est pas une chanson à moi. Ouais. Moi, mes chansons préférées, c'est... Oh, mon amour, mon beau, mon tendre, mon merveilleux amour, de Brel. Ouais. Ou bien, j'aimerais tant voir Syracuse, Bernard Dimet, hein, l'île de Paquet, Kérouan. Voilà mes chansons. Ouais. Alors, à moi, ma chanson préférée, c'est J'ai donné des soirées à étonner les princes dans cette chambre usée par 3 siècles d'amour. J'ai dans l'oreille encore le vieux parquet qui grince et nos chansons d'ivrogne à la pointe du jour. Ça, c'est ma chanson à moi préférée. Ouais, merci, Pierre Delanoë. Nous, on a tous une de vos chansons qui est notre chanson préférée. Merci d'avoir été notre invité. Et merci à vous aussi. Bien sûr, avec Gilbert Bécaud.